bien, on s'en souviendra de la mort à Molière. De Molière. Quoi, de Molière? Tiens. Oh, bah oui, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chaussure, moi? Molière est mort. C'est pas possible. Mon Jean-Baptiste. Vous vous disputez et vous vous battez. Ouais, mais moi, je le connaissais, Molière. Moi aussi, je le connaissais. Bien même. Voilà, c'est reparti. Mais tout le monde le connaissait, Molière. Je parie que pendant longtemps, on le connaîtra. Et on l'apprendra peut-être même dans les écoles. Ouais, mais moi, je sais ce que je dis et je sais de quoi je parle. L'ambiance dans la famille Poquelin, Molière, j'ai connu. Hein? Vous allez voir ce que vous allez voir, comme si vous y étiez. Ce petit Jean-Baptiste promet d'avoir bien l'esprit. Que comptez-vous faire de lui? Faut-tu le demander? Nous sommes tapissiers de père en fils. Il sera tapissier comme vous et moi. Dieu merci, mon négoce est bon. Il n'aura pas à se plaindre d'être le fils de son père. Nous le mettrons à ce nouveau collège des jésuites où vont les grands seigneurs. Le cardinal peut en faire un de ses commis. Qui sait plus tard? Il peut épouser quelques nobles demoiselles pauvres et placer une seigneurie dans sa corbeille de mariage. De ne savoir si je ne verrai jamais mon fils, à son firmament, lui qui n'aimera jamais tant femme que sa maman. Oh, je vous trouve bien sombre en ces jours qui s'éclairent. T'es dupe, Jean-Baptiste. Il avait compris depuis longtemps que sa mère, elle n'allait pas durer avec tous ces médecins autour d'elle. Ah oui, c'est sans doute là que j'ai venu l'idée d'écrire médecin malgré lui. Ridiculiser tous ces charlatans qui se disent docteurs et qui ne savent rien. Le médecin malgré lui. Si on a joué la pièce. Je vous donnerai, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies, que vous fussiez abandonné, désespéré, à l'inconnu, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes. Et l'envie que j'aurais de vous rendre le service. Bah, je vous suis obligé, monsieur, de toutes ces bontés que vous avez pour moi. Grand médecin. Et de quoi dit-il que vous êtes malade? Ben, il dit que c'est du foie. Oh. D'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Des marrons et des oublis, du gruau et du riz pour coller et conduitiner. Découvrez les lettres et bientôt le théâtre. Ah bah, oui, c'est vrai, il m'a raconté tout ça. Mais c'est surtout ses professeurs, ils voyaient bien qu'ils ne seraient pas topiciers. C'est quand même le père Dinet. Oh, le croulant, le directeur du collège, celui qu'on appelait l'ancêtre. Ancêtre. Mais clairvoyant. Monsieur est tout juste bon inconvénient. Un, à jouer les croulants. Oh, deux, les abrutis. Trois, les gonzelles usagées. Je me marre. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'entend plus hurler dans la salle du haut. Ah, voilà, c'est moment du balai. Allez, vaquer, allez donc chercher nos bières. Quoi, vaquer? Non, mais à qui vous croyez parler, ignorant, alcoolique, Molière ceci, Molière cela? Y'a que vous qui l'avez connu, peut-être, Molière? Non, mais... Faut l'excuser, c'est le grand âge, hein. Dis-moi, beauté cruelle, t'irais pas nous chercher quelques bières? Belle aventure. Bon, faut l'illustre théâtre, on peut passer rapide. Ça a duré quoi? 8 mois à peine, et puis ruinés, ils sont partis en tournée, criblés de dettes, alors, hein. Mais pas du tout, Mais rends-toi compte, l'illustre théâtre, j'y étais. Alors toi, mon ami, mon frère, écoute la véritable histoire. Ah, les bijards! Oui, des croque-lardons qui pillent mon Nicodème et s'empiffrent à ses dépens. Et leur sœur, avec ses crins roux et ses rubans. Voulez-vous me dire de quel jeu elle est compagnonne? Ah, tenez, j'y vois clair, moi, derrière mes volets. Mais disparaît, disparaît avant que je fasse un malheur! Mais arrête, Michel, arrête! Tu es mon ami, mon frère! Non! Oh, c'était bien. Tu oses revenir?
C'est que je voulais m'excuser. Je viens de comprendre à l'instant tout le mal que j'ai pu te faire. Mais qu'est-ce que tu veux? On était jeunes, inconséquents et puis cruels. Mon vieux frère. Fais-toi! Pour faire le brouhaha. Le brouhaha. En effet, il y a manière à les faire de découvrir aux auditeurs les beautés d'un ouvre. Qu'est-ce qu'on lui fait maintenant? Il le sent furieusement. Bon. Je n'ai jamais respiré d'odeur mieux conditionnée. Et celle-là allez, papa, on joue. Céleste Zappa, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? En me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui me l'a volé? Allez. Tu as raison, mon Jeannot. Embrasse-moi. Ah, mon Jeannot, c'est gentil. Tu viens de m'appeler comme ma maman quand j'étais petit. Et à propos de choses gaies, tu te rappelles de Jean-Baptiste dans Le Bourgeois Gentilhomme? Cette manière qu'il avait de faire le gros, là. Si tu restes avec nous encore un peu, j'irai dire, de ville en ville, quel grand comédien tu étais. Je leur parlerai de ton charme, de ta grâce naturelle. Mais reste avec nous, mon chant. Attends, je crois qu'il va nous dire quelque chose, regarde. Oui. Allez, vas-y, j'en parle, dis-nous quelque chose, oui. Vite. Parle. À moi, par pitié, à moi. Mais ce type est un infâme. Mais me laissez lui caresser les cheveux. J'en ai encore les mains qui collent. Non. Papa, quoi encore? Je veux devenir comédien.